matin. Plusieurs sommets, ça se passe en extérieur, entre lac et montagne. Vous avez vu cette vue? C'est incroyable. Il fait déjà bien chaud, le temps d'avoir une petite bière. Jean-Louis Thuribert, elle a l'habitude. Et comme ça va, le jus. Grosse pote! Big Bangs! Allez, mets la Bangs! Allez, la Bangs! Et puis nous, Châtenay! Et un, deux, trois! Encore cette année à la mairie de Pugny-Châtenot pour cette vraiment très très belle manifestation pour sensibiliser au cancer du sein sur octobre 2023. Donc je suis absolument ravie, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de stands et c'est fait avec passion, avec engagement et c'est vraiment, je reviens avec grand plaisir. Je suis Florence Vandevelle, je suis responsable de l'association Bivouac et moi, qu'on a créé l'an passé avec plusieurs participants, médecins et accompagnateurs en montagne. Et donc on emmène pour des séjours de 3 jours en pleine montagne en refuge des personnes suivies pour un cancer, que ce soit pendant la maladie ou juste après, pour qu'elles puissent se ressourcer, reprendre confiance en leurs capacités, et se connecter aux grands espaces et puis surtout échanger, partager entre elles. On a déjà fait 7 séjours depuis un an, c'est des moments qui sont toujours incroyables. Et aujourd'hui, grâce à la mairie de Pugny-Châtenot, on est très heureux de participer à cette super journée. Et on a la chance de pouvoir avoir une partie des bénéfices de la journée pour nous aider à continuer notre action, puisqu'on est en recherche de soutien à tous les niveaux. Merci. Oula. C'est volontaire. C'est volontaire. Ah. C'est volontaire. C'est une technique, c'est pas la plus élégante, ah ouais. Mais c'est volontaire et efficace. Un petit peu, tu vois, ça évite de te prévenir à la dernière minute. Attention.